Mashallah. C'est Dieu qui est fort, oh, c'est Dieu qui est fort. Partagez le live, mesdames et messieurs, j'arrive là. Ils ont partagé Africa, sans nous consulter. Nous souhaitons que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandingue se trouva chez les Mossi. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans le Ghana. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, sans nous aviser. Appelez-moi le général El Sisi. J'ai 2-3 messages pour lui. Ah, El Sisi. Appelez-moi El Sisi. Mesdames et messieurs, salam alaikum à vous tous. Ici le caporal Fama Kanté. Je voudrais que vous m'appeliez le général El Sisi. Aujourd'hui, il s'appelle le maréchal El Sisi. C'est pas le général, il est devenu le maréchal El Sisi. Je suis le caporal. Partagez le live. Oh, la vie là. Billah et la vie là, c'est la vie, hein. Alpha Condé. Kasotina foi kilila. Almilon le baba almalon. Ah, Alpha Condé. Kasotina foi kilila. Almilon le baba almalon. Almalon. Almalon, appelez le général El Sisi, l'enfant prodige d'Alpha Condé. Ah, libérez Alpha Condé. Adasi pra mola jurutala. Adasi para mola jurutala. Partagez le live. Appelez El Sisi, l'enfant prodige d'Alpha Condé. Appelez le maréchal. Ce n'est plus le général. Hein. Le maréchal El Sisi. Je vais l'aider. El Sisi, je vais l'aider. Vous savez, son véritable nom, c'est Moussa. C'est l'homonyme de mon père. J'ai eu à l'affronter une fois, ou plusieurs fois même, sur la page de Amtro TV. C'est l'homonyme de mon père. Vous le voyez comme ça, il n'est pas méchant. C'est un mec qui est très gentil. Il s'appelle Moussa. Mais comme vous connaissez les noms Moussa, c'est des hommes qui sont très durs dans la tête. Ils sont très, très difficiles. À faire changer d'avis. Donc, appelez-le. C'est mon père. Je vais l'aider. Je vais l'aider à comprendre. Je vais le situer par rapport à la destination de son mentor, Alpha Condé. Moussa de Zebour. Appelez-le, s'il vous plaît. Je vais l'aider. C'est mon père. Voilà. Big respect pour lui. Là, vous connaissez le nom de mon papa. Mon papa s'appelle Elage Moussa Soumaoro Kanté. Ouais, c'est l'homonyme de mon père. Mais je vais l'aider parce qu'il ne comprend pas. El Sisi, oui. Elle s'appelle Moussa, c'est son véritable nom. C'est un mec très gentil, très drôle.
très comique. C'est un comédien de première classe. Vous le voyez comme ça avec ses barbes, mais c'est un mec qui est très très gentil, hyper gentil. Il est rigolo, quand vous l'écoutez, il est très rigolo. Alpha Condé, Kasotina Foy Kilila, Almilon Le Baba, Almalon, Alpha Condé. Ah, Alpha Condé. Oh. Dommage. Dommage pour Alpha Condé. Partagez le live. Ce live d'aujourd'hui est un live très intéressant, très doux, très mielleux et délicieux. Et moi, je vais ajouter une cerise sur le gâteau pour que vous puissiez... C'est-à-dire, le plat est d'ores et déjà préparé. Donc, on a des invités qui doivent venir manger. La rentrée est là, le repas est là, le dessert est là. On a des gâteaux dont je vais justement ajouter des cerises là-dessus pour que vous puissiez digérer confortablement. C'est pourquoi je vous demande de partager au maximum le live et de vous installer confortablement, parce que ça, c'est un live qui est mielleux. Vous comprenez? C'est un live qui est très mielleux et sensationnel. Je vais aider quelqu'un à comprendre où se trouve son mentor. C'est le général El Sissi, c'est le maréchal El Sissi, c'est moi-même l'homonyme de mon papa. Je vais l'aider. Je le clash pas, hein? Non, je ne suis pas dans les clashs. Ouais, c'est mon papa, il est perdu, mais je vais l'aider. Vous savez, quand les papas vieillissent comme ça, ils perdent le filon, quoi. Donc, je vais l'aider. Adasi pra mon la jurutala. Alpha Condé, dasi pra mon la jurutala. Alpha Condé, da wuli pra mon la juruyala. Mon la juruyala, da wuli pra mon la juruyala. Avant, on a dit adasi pra mon la jurutala. Maintenant, on doit dire ada wuli pra mon la juruyala. La ginekal la juruyala. Ada wuli pra mon la juruyala vefeo. Aba kenya si mada wuli vefeo. Tu y allez au fa. Ah! Les amis, il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'une des vidéos de l'homonyme de mon père, qui est le général El Sissi, qui s'appelle Moussa Mara, effectivement. Avec tout le respect que j'ai pour lui en tant qu'homonyme de mon père, je vais justement l'aider à clarifier, à l'édifier sur le sujet d'Alpha Condé. Parce que quand je le vois parler, je sens de l'inquiétude sur son visage. Vous comprenez? Donc, je vais l'aider et en l'aidant, je pense que ça va profiter à tous ces militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. À comprendre le fonctionnement, où se trouve exactement Alpha Condé, parce que c'est leur inquiétude. Ils ne savent pas où se trouve maintenant Alpha Condé. Mais je l'ai écouté, il a dit quelque chose qui sont beaucoup plutôt incohérentes, d'accord? Je vais le rectifier et au final de ce live, je vais dire à l'homonyme de mon papa où se trouve son idole, Alpha Condé, d'accord? Et je vais lui dire dorénavant... comment il doit se comporter, comment il doit parler pour ne pas qu'il aille maintenant à la maison centrale. D'accord? Parce que je l'aime beaucoup. C'est l'homonyme de mon père. Il s'appelle Moussa. Évidemment, je ne le clash pas, mais je vais l'édifier un peu. Vous savez, c'est comme ça. Nous sommes en Guinée. Alors, partagez le live. Il vous montre le doigt qu'il veut faire disparaître le Moussa pour finir à créer sa propre tombe auprès de la tombe de l'Allemagne. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde se pose cette question. Où se trouve le professeur Alpha Condé? D'autres disent qu'il est libre. D'autres disent qu'il est porté disparu. Paru. D'autres disent qu'on l'a envoyé dans des voyages médicaux. Chacun dit ce qu'il pense. Ouais. Mais une chose reste claire. Ouais. C'est vrai, aujourd'hui, vous êtes inquiet. Vous avez des soucis.
D'autres ne dorment pas ouais. à cause de la situation actuelle du professeur Alpha Condé. Mais les frères, nous sommes en train de vivre aujourd'hui ouais. dans l'illusion. D'accord. Nous sommes en train de vivre dans l'illusion. D'accord. Hey, on ne meurt pas deux fois. On ne meurt pas deux fois. La vérité, c'est la vérité. Ouais. Il est temps qu'on nous met maintenant à l'aise. Ouais. Il est temps qu'on nous met à l'aise. Ouais. Quand vous parlez, d'autres vont vous dire, non, il est temps de tourner la page. Ouais. Il est temps de faire ceci, il est temps de monter. Mais en tant qu'humain, ouais. en tant que conscient, quand vous réfléchissez vraiment à vous-même, et vous allez trouver vraiment que ce qui est en train de se passer dans notre pays, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on est en train de vivre dans l'illusion. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. C'est comme la tour d'image. Ouais. Vous savez, quand un magicien est sur la scène, ouais. il vous dit, il vous montre le doigt qu'il veut faire disparaître le mouchoir dans son doigt, ouais. ou il veut faire sortir un pigeon. Ouais. Vous vous concentrez sur le doigt ou sur la main que le magicien est en train de vous montrer. Ouais. Mais ailleurs, les assistantes sont en train de préparer le vrai coup d'image. Ouais. Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. D'accord. Quand vous parlez, d'autres pensent que c'est l'affaire du RPG ou de tel parti ou de tel parti. Non. On dit à Malinke. Ouais. Konika doua yisou, idino souka. Ah. Kouya fou, kouyban souka. Ah. Aujourd'hui. Ouais. Tous ces leaders politiques là, ouais. la situation dont ils se trouvent, ouais. c'est parce qu'ils n'ont pas été honnêtes envers eux-mêmes. Ah. Ils n'ont pas été honnêtes envers le colonel Mamadi Doumbia. Okay. Parce que quand Mamadi Doumbia a fait le coup d'État, ouais. il a appelé tous ses acteurs politiques. Ouais. On l'a dit, les gens pensaient que parce que nous on aime ouais. le professeur Alpha Condé, ouais. que c'est pour ça qu'on est en train de parler et parce qu'on veut récupérer le pouvoir, c'est pour ça qu'on est en train de dire ceci, on est en train de dire cela. Ouais. Mais mon papa Moussa Mara, quand tu dis les acteurs politiques n'ont pas été honnêtes envers eux-mêmes, en parlant des acteurs politiques, il faut enlever celui qui est la main humaine de Dieu pour le peuple de Guinée. Parce que dans tout peuple, il y a une main humaine de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas, Dieu il est transcendant. Dieu, il dépasse tout. D'accord? Mais il y a une main humaine. Cette main humaine, c'est le bonheur, c'est la bénédiction de Dieu pour tout peuple. Donc, en parlant, en disant, mon papa, que les acteurs politiques n'ont pas été honnêtes envers eux-mêmes, d'accord? Il faut enlever cette main humaine, cette bénédiction de Dieu pour le peuple de Guinée. En la personne, en l'occurrence, son excellence, tout naturellement, vous connaissez son nom, Monsieur Eladj Mamadou Seroudalin Diallo. Parce qu'il a toujours été honnête envers lui-même. Il a été sincère envers lui-même. Et je dis souvent que la sincérité et l'honnêteté envers soi constituent le début du bonheur de l'homme. Tout homme qui est sincère envers soi et qui est honnête envers soi, c'est que l'homme-là, il est en train de vivre le début de son véritable bonheur. Donc, aujourd'hui, le bonheur dans lequel M. Seroudalin Diallo est en train de se baigner, c'est sa sincérité envers soi-même, c'est ça, c'est son honnêteté envers soi-même. Donc, quand tu parles des acteurs politiques, il faut extraire ce monsieur-là du lot, parce qu'il est au-dessus du lot. Donc, tu peux parler des autres. Maintenant, on va, mon papa. Ouais, les quatre vérités. Si nous voyons aujourd'hui, ces acteurs politiques... Je ne sais même pas pourquoi il dit chaque fois, mon papa il dit chaque fois les quatre vérités. Sinon, il y a beaucoup de vérités, mais comme lui, il aime dire les quatre vérités, ben on l'écoute. Certainement, il n'a que quatre vérités. Sinon, il y a beaucoup de vérités en Guinée, mais on l'écoute. Aligner un rang, les mettre dans des bus comme des élèves, comme quand on partait à l'école, quand on faisait tendre les bras, ouais. baisser les bras. Ouais. C'est parce qu'ils se sont pas respectés. Non. Mon papa n'a pas compris. Moi-même, j'ai fait une petite vidéo là où j'ai rigolé en parlant des acteurs politiques qui étaient en rang. Mais mon papa, je vais l'aider. C'est pourquoi je vous dis de l'appeler. Il n'a qu'à venir. Je vais l'aider. Je vais l'édifier. Appeler les acteurs politiques pour qu'ils puissent entrer dans un bus
On peut, c'est l'interprétation de cela, c'est la discipline. C'est pour mettre tous les acteurs politiques au même pied d'égalité. D'accord? C'est pour dire, si le colonel avait dit, bon, tous les acteurs politiques, j'ai besoin de vous, chacun allait venir dans sa bagnole. Et on sait que ces acteurs politiques, tous n'ont pas les mêmes bagnoles, ils n'ont pas le même niveau. Donc le colonel, il aime la discipline, le colonel, il aime l'ordre, c'est un militaire. C'est pourquoi il dit, il y a un bus. Dans ce bus, il n'y a pas riche, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas supérieur, il n'y a pas inférieur. Vous êtes égaux et vous allez entrer dans ce bus. Vous allez venir, vous viendrez voir votre président qui est moi, le colonel Mamadi Doumbouya. Vous venez en tant que des hommes égaux. Il n'y a pas d'égo surdimensionné, mais vous êtes tous égaux dans ce bus-là. Moi-même, j'ai fait pour rigoler, mais c'est ce que le colonel veut passer comme message. C'est comme la même chose qu'il a fait au gouvernement. Premier ministre, ministre quoi? Il les a réunis dans un bus. Il les a habillés en tenue militaire. Il les a envoyés à Forêt-Caria. C'était de les inculquer les valeurs, la discipline, l'ordre, le respect de l'hiérarchie. C'était pour dire, vous êtes des ministres, vous êtes égaux. Bien vrai qu'il y a un premier ministre, il y a un chef de gouvernement, mais c'est juste une fonction. Sinon, vous êtes tous des êtres humains. Vous êtes des fils dignes de la Guinée. Vous êtes au même pied d'égalité. Il n'y a pas de hautain, il n'y a pas d'acte ostentatoire dans ce que je veux entreprendre. Donc mon papa, il faut te calmer s'il te plaît. Là, le geste du colonel, c'est un message. Il dit, monsieur Makanera, vous rentrez. Monsieur Sidya Touré, vous rentrez. Monsieur Lansana Kouyaté, vous rentrez. Sinon, en temps normal, on ne peut pas mettre monsieur Makanera et monsieur Sidya Touré dans les mêmes lots. En temps normal, on ne peut pas mettre monsieur Eli Kamano et monsieur Tidia Touré dans le même lot. En temps normal, on ne peut pas mettre monsieur Eli Kamano et monsieur Lansana Kouyaté dans les mêmes lots. Mais là, le colonel, il veut l'égalité. Le colonel, il veut l'impartialité. Le colonel, il n'aime pas l'ostentation, il n'aime pas l'arrogance, il n'aime pas l'ego surdimensionné. Il veut que vous qui êtes des acteurs politiques, vous êtes au même niveau, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. C'est le message que le colonel veut passer en réunissant les acteurs politiques dans ce bus. Là, mon papa, il faut comprendre cela. On continue avec mon père. Partagez le live. Personne n'est prêt à respecter. Vous êtes tous des civils. Vous êtes des politiciens. Vous nous dites que vous vous battez pour la démocratie. On arrête un civil. On prend le professeur Alpha Condé. Il est porté disparu, c'est ce qu'on peut dire. Qui a osé parmi vous, les politiciens, dire à colonel Mamadi Doumbouya, la situation actuelle qui est en train de se passer dans notre pays, ce n'est pas du tout normal. C'est vrai, vous pouvez arrêter Alpha Condé. Nous sommes d'accord. Là, mon papa encore a fait une erreur. Quand vous dites, ils ont arrêté Alpha Condé, vous êtes des civils, qui a osé dire? Mais on ne peut pas parler, parce que Alpha Condé lui-même, il a pris les mêmes civils, il les a mis en prison. Donc tu veux que les civils qui ont critiqué Alpha Condé, d'avoir emprisonné d'autres civils, ces mêmes civils-là aussi scandent le nom d'Alpha Condé pour dire qu'il faut libérer Alpha Condé. Mon papa, il faut comprendre que Alpha Condé a tout simplement été un dictateur sanguinaire. Il a tout simplement été une déception et une malédiction pour la République de Guinée. Si nous sommes dans cette condition de transition aujourd'hui, sous les militaires, c'est Alpha Condé qui a réuni toutes ces conditions. Donc mon papa, je pense que tu n'as pas compris cette partie. Je voudrais simplement qu'il comprenne. Partagez le live. Je suis en train de rectifier un peu les tirs de mon papa parce que je l'aime beaucoup. Partagez le live. C'est un Guinéen. Nul n'est au-dessus de la loi. Ouais. On peut le conduire en justice. On peut le juger. C'est un Guinéen. Ah, mon papa, maintenant tu dis nul n'est au-dessus de la loi, que c'est un Guinéen, on peut le conduire devant la justice, on peut le juger. Non! N'est-ce pas, toi-même, à un moment donné, tu pensais qu'il y a des gens, il y a des Guinéens qui étaient plus Guinéens que d'autres. À un moment donné, toi-même, tu prenais un message anti-peul en République de Guinée. À un moment donné, mon papa, toi-même, tu pensais que Alpha Condé était le demi-dieu, qu'il était au-dessus de tous les autres Guinéens. Tu avais des discours pareils. Mais mon papa, là, tu as double langage. Il faut que tu revoies tes anciennes vidéos pour ne pas que tu passes pour un fou. Bon, excusez-moi du terme, c'est trop fort parce que c'est mon père, il s'appelle Moussa Mara. Donc, je voudrais tout simplement que mon papa comprenne que je ne veux pas être insolent, mais je veux simplement qu'il revoie ses anciennes vidéos pour ne pas que les autres le traitent très mal. Donc, c'est un conseil que je suis en train de donner à mon père. Vous avez compris? Attention, hein, les enfants! Les enfants, attention, hein, s'il vous plaît!
Partagez le live. Mais nul n'a le droit de priver un Guinéen de sa liberté sans un jugement. Sans un jugement. Là, mon papa, en disant nul n'a le droit de priver un Guinéen de sa liberté sans jugement. Il dit sans jugement. Là, mon papa, en parlant, en sortant cette expression de sa bouche, mon père lui-même, il s'est rappelé en disant ah là là, je suis en train de dire une chose. Nous-mêmes, nous avons privé Seydou d'Alain Diallo de sa liberté sans jugement. Nous l'avons humilié, ou du moins, nous avons tenté l'humilier parce que nous avons empêché son excellence Seydou d'Alain Diallo de sortir de la République de Guinée. Nous l'avons empêché une fois. Nous l'avons même descendu de l'avion. J'étais là, j'ai applaudi, j'ai absous. J'étais même complice. J'étais fier du professeur Alpha Condé, de son acte. Je disais qu'il ne faut pas qu'il sorte. Mais mon papa dit aujourd'hui que nul n'a le droit de priver un Guinéen de sa liberté sans justice. Mais mon père, on a confisqué le passeport de Seydou d'Alain Diallo. Mon papa, tu étais là, tu as été complice. On ne contredit pas son père. Mais cette fois-ci, il faut que je dise la vérité à mon père. Parce que Seydou d'Alain Diallo, c'est le papa de quelqu'un d'autre. Il faut qu'on se dise la vérité, mesdames et messieurs. On a privé le papa de quelqu'un, on l'a assiégé, il a été emprisonné chez lui, résidence surveillée. Voyez-vous, on a empêché même la maman de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, Hadji Alimentou d'Alain Diallo, on a aussi empêché quelqu'un, le père de quelqu'un. En l'occurrence, Dr Oussou Fofana, qui devrait aller opérer son œil. Mon papa, Moussa Djebbour, El Sissi, tu dois comprendre que Dr Oussou Fofana pouvait perdre son œil. Donc, tu n'as pas aujourd'hui raison de nous dire que nul n'a le droit de priver un Guinéen de sa liberté. Alors, mon père, attention, attention. Les gens te regardent de près, s'il vous plaît. Les amis, pardonnez mon père. Il fait des erreurs, s'il vous plaît. Pardonnez-le. Partagez le live, s'il vous plaît. Mais vous qui dites là, sur la toile, nuit et jour, que vous vous battez pour la démocratie. Ouais. Vous êtes là, on est en train de vous utiliser comme des marionnettes. Ouais. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui parce que vous n'avez pas été honnête envers vous. Ouais. Et c'est pour ça aujourd'hui vous êtes obligé de vous soumettre. Parce que vous avez dit que la meilleure des choses, que c'était le coup d'État. Ouais. C'est ce que vous avez dit. Ouais. Vous avez dit que la meilleure des solutions, c'était le coup d'État. Alors vous avez apprécié le coup d'État. Ouais. Alors si vous avez apprécié le coup d'État, ouais, pourquoi alors ne pas se patienter? Patientez-vous. Ouais. Même s'il décide aujourd'hui de faire 5 ans ou 10 ans. Alors... Ah, mon père. Les autres ont dit que la meilleure solution, c'était le coup d'État, c'était la transition. Au juste, mon père, moi, je voulais te poser la question. Pour toi, la meilleure solution, c'était quoi? Parce que là, ça ne bougeait plus en Guinée. Ça ne bougeait plus. Mon papa, lui-même, en tant qu'homonyme de mon père, quelque part, il n'a pas été honnête envers lui-même. C'est pourquoi, lui aussi, il a fait la prison. Hein. Mon papa, c'est pourquoi, lui aussi, il a fait la prison. Il a fait la maison centrale. Parce qu'il n'a pas compris la politique de son mentor, Alpha Condé. Vous voyez-vous? Donc, mais il comprend pas ça. Mon papa comprend pas que lui-même, il n'a pas été honnête envers lui-même. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je suis en train de conseiller mon père et de rectifier ses tirs, s'il vous plaît. Patientez-vous, comme c'était le coup d'État qui était la solution. Vous avez nécessaire, je disais nécessaire, que c'est le coup d'État qui était bon pour arranger notre pays. Alors, pourquoi vous n'êtes pas patient maintenant à attendre ce coup d'État? C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes en train de montrer aux faces du monde entier votre incertitude et votre malhonnêteté envers le peuple de Guinée. Alors les patriotes, nous ce qui nous concerne, c'est le cas du professeur Alpha Condé. On a vu les différentes déclarations du colonel Mamadi Doumbia. Ouais. Si je me rappelle bien, j'ai été arrêté le 30 décembre. Ah. Et je crois que la déclaration c'était le 31 décembre parce que ça m'a trouvé en prison. Ouais. Le colonel Mamadi Doumbia a fait une belle discours. Ah, mon père, mon papa, on dit soit un bel discours ou bien un beau discours, mais on ne dit pas une belle discours. Ce n'est pas le féminin, le discours c'est masculin. Professeur Alpha Condé est libre maintenant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et parfait, on a appris. Il a fait son test de Covid, il a son passeport diplomatique déjà qui a été fait. Ouais. Alors il est libre de partir où il veut partir. Ouais. Mais c'est pas ce qui se passe. Ah. C'est pas ce qui se passe. Ah ouais. C'est pas ce qui se passe.
Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons la liberté du professeur Alpha Condé, ça, ce n'est pas une liberté. Ah, donc. Parce que moi, selon ma petite analyse, la situation dont se trouve le professeur Alpha Condé, c'est comme quand un prisonnier, quand il est malade à la maison centrale, c'est-à-dire quand vous le prenez à la maison centrale, vous lui mettez les melottes, vous lui mettez dans une voiture avec les gardes pénitentiaires, vous l'amenez à l'hôtel, vous le surveillez, après le traitement, vous le mettez encore, vous le mettez dans la frigonex et vous le ramenez dans son lieu de détention. Moi, c'est ce que je pense sur la liberté dont on est en train de dire que le professeur Alpha Condé est libre. Mais mon papa, tu dois comprendre que le colonel Mamadi Doumbouya, il a été gentil, hein. Parce que si tu es là aujourd'hui à parler d'Alpha Condé, la libération, c'est parce que le colonel, il a laissé la vie sauve à Alpha Condé. Sinon, ce jour-là, ah, ce qui s'est passé, c'est passé, hein. Toi-même, tu sais, tu es au courant. Bon, on est en Afrique, mesdames et messieurs. On a fait le coup d'état en Côte d'Ivoire. On a fait le coup d'état en Sierra Leone. On a fait le coup d'état en Libéria. On a fait le coup d'état en Angola. On a fait beaucoup de coups d'état. Vous êtes au courant. Ce qui arrive au président, on a fait le coup d'état au Congo. Vous êtes au courant, ce qui arrive au chef, au président, auquel on fait le coup d'état. Mais le colonel Mamadi Doumbouya, il a dit, écoutez, on va laisser Alpha Condé vivant. On va le laisser vivant. Hein? Il va nous servir de quelque chose. Et là maintenant, mon papa, lui, parle de libération d'Alpha Condé. Il dit, ça ressemble aux prisonniers que Alpha Condé, aux gens, aux civils qu'Alpha Condé lui-même a pris. Il a mis en prison les Foniki Menge, les Roger Bamba, paix à son âme, les Ousmane Gawal, on les envoyait à la maison centrale, on les envoyait à Ignace Dindonka, on les mélontait, on les envoyait là-bas, on les donnait des injections, des médicaments, puis on les renvoyait encore. Il dit pour lui, la libération d'Alpha Condé, c'est comme ça, ça n'a pas, pour lui, ça n'a pas de sens. C'est pas une libération. Voyez-vous, c'est ce que mon papa veut dire. Il n'a pas compris. Mais à la fin, je vais dire à mon papa où exactement se trouve Alpha Condé. Parce que là, il est inquiet, mon papa, il est inquiet. Voilà. Partagez le live, hein. Le live, il est très important. Je crois, mon colonel, personne n'est contre vous. Personne n'est contre vous. Mais aujourd'hui, aujourd'hui vraiment, vous devez avoir pitié de ce peuple. Nous, on voit ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire, quand on parle, ils vont dire, arrêtez-le. Mettez-le en prison. Parce qu'il a dit ceci, il a dit cela. Mais c'est la vérité. Ah, en tant que général, Général El Sissi, mon papa, il demande pitié. Il demande pitié. Il dit qu'il faut avoir pitié de ce peuple. Mais le colonel a pitié du peuple. C'est pourquoi le colonel, il s'est sacrifié. Il allait libérer le peuple. Le colonel, il a donné son sang. Comme Jésus à la croix. Vous savez, le christianisme, c'est ça. Ils ont dit, bon, écoutez, il faut croire la mort expiatoire de Jésus pour rentrer au paradis. Donc, le colonel Mamadi Doumbouya, on doit l'applaudir. Il s'est sacrifié, et il a eu pitié du peuple. Il allait libérer le peuple. Il allait faire le coup, il a enlevé Alpha Condé parce que le peuple était agonissant. Donc, mon papa ne comprend pas. Lui dit qu'il faut avoir pitié encore. Quelle pitié? Mon papa, il veut qu'il libère Alpha Condé. Libère Alpha Condé, libre, dans la nature. Alpha Condé, on ne doit pas le libérer dans la nature. Non. C'est un poison, Alpha Condé. Il est très, très dangereux. Ce monsieur-là, même mort, il va continuer à fatiguer la Guinée. Parce qu'il a fait des millions de tonnes de bauxite. L'argent, on n'a pas vu. Voyez-vous, nous, on était pauvres en Guinée. On ne gagnait même pas à manger. Vous comprenez? Partagez le live, mesdames et messieurs. Les enfants se sont jetés dans la mer. Ils sont venus en Europe. Il y en a qui sont morts dans la mer. Il y en a qui sont morts dans le désert. Il y en a qui sont morts à la maison centrale. Il y en a qui sont morts dans les rues. Des tout petits enfants. Tu vois, donc ça c'était Satan lui-même, il exécutait les enfants. Et puis mon papa en ce moment, mon papa il était content, il ne voyait pas cela. Il disait que c'était les manifestants qui tuaient les autres manifestants. Il n'accusait pas Alpha Condé. Quand nous on a demandé pitié, il a dit non, faut pas avoir pitié. Donc aujourd'hui, c'est Alpha Condé lui-même qui est pris. Vous comprenez mesdames et messieurs, partagez le live et mon papa lui demande d'avoir pitié du peuple. Le colonel, il a pitié du peuple de Guinée que n'importe qui. Le colonel a pitié. Il a libéré le peuple. On doit l'applaudir. Et il doit continuer à avoir pitié du peuple. Mais il ne doit pas avoir pitié d'Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé, c'est le Hitler de la Guinée. Et vous savez ce que Hitler a fait?
la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui sont partis. Hein? Donc, partagez le live au maximum. C'est un live exceptionnel aujourd'hui. Je vais dire à mon père, il n'a qu'à se calmer. Après, je vais l'aider. Nous, on voit ce que vous, vous ne voyez pas. Ouais. Parce que nous, nous sommes avec le bas peuple. Ah, okay. Nous sommes dans les marchés. Ouais. Nous sommes avec nos vieilles mamans là, ouais, dans les différentes sièges. Ouais. Nous savons combien de fois ces mamans là souffrent. Ah. La souffrance de ces mamans là, ouais, ce n'est pas une bénédiction pour notre pays. Les larmes, ouais, les larmes. Oh, vous avez entendu le général. Il dit, nos mamans, elles souffrent. Nos mamans sont contentes. Mieux que qui? Mon papa, il faut dire que vos mamans, vous savez, la maman de mon père, c'est ma grand-mère. Alors, nos grand-mères du RPG Arc-en-Ciel, celles qui veulent que Alpha Condé soit libre, ce sont elles qui souffrent dans leur peau. Sinon, nos véritables mamans, voilà, nos véritables mamans dans les marchés, elles sont contentes. Parce qu'aujourd'hui, elles ne pleurent pas la mort de leurs enfants. Elles sont contentes dans les différents marchés. Madina, Nyengema, marché de Bonfim, marché de Kisoso, Anta, sont contentes un peu partout. Même à Cancan, tout le monde est content. Zérékoré, Labé, partout en Guinée, nos mamans, elles sont contentes. Parce que le dictateur n'est plus à la tête de la République de Guinée. Partagez le live, mesdames et messieurs. On va évoluer. Parce que mon papa, il est en train de mentir. Ah, excuse-moi, mon père. L'enfant ne dit pas à son père qu'il ment. Mais là, là, mon papa, il est en train de déconner. Je dois l'aider. Partagez le live. Maman, là, ce n'est pas une bénédiction pour notre pays. Si nous souffrons aujourd'hui, ouais, dans notre pays, ouais, la Guinée, c'est tout un petit pays. Ouais. Nous ne sommes même pas plus de 15 millions d'habitants. Ouais. Mais pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Ouais. Quand nous regardons, on dit que la Guinée est le scandale géologique. Eh ouais. C'est-à-dire toutes les richesses du monde se trouvent en Guinée. Ouais. Mais pourquoi la Guinée n'arrive pas à s'en sortir? Ah, mon papa, non, tu ne dois pas dire que la Guinée n'arrive pas à s'en sortir. Non, mon papa, je ne suis pas d'accord du tout avec toi. 10 ans à la tête de l'État, hein? Mon papa nous a toujours dit que la Guinée se portait à merveille et que l'économie guinéenne était c'est-à-dire au top. Hein? Mon papa faisait des lives en disant, dans 2 ans, la Guinée va dépasser la Côte d'Ivoire. Dans 2 ans, la Guinée sera la deuxième puissance économique derrière le Nigeria. Dans 2 ans, on va électrifier la Guinée. On va donner le reste de l'électricité à Gambie, au Sénégal et au Guinée-Bissau. Dans 2 ans, toutes les femmes guinéennes, elles auront de l'argent gratuit. On va fabriquer le pain dans le bateau. Ça va venir. On va dispatcher le poisson dans les marchés de Cancan. Tout le monde aura le pain. Tout le monde aura le poisson. Dans 2 ans, le problème de route en Guinée, personne n'en parlera plus. Dans 2 ans, ben écoutez, l'école sera gratuite. Mon papa, il a dit que l'économie guinéenne se portait bien et que nous autres, nous sommes des ennemis de l'État. Alors si mon papa dit aujourd'hui le contraire, effectivement, mon papa, il a raison quand il dit que la Guinée est un scandale géologique. Effectivement, ça a été dit au temps d'Ahmed Sékou Touré, quand on dit scandale géologique, ça veut dire que toutes les richesses du sol et du sous-sol, imaginables et inimaginables, partout dans l'Afrique entière, se retrouvent là en Guinée. Donc, avec la bonne volonté politique, on peut exploiter et on peut aller de l'avant. Mais mon papa, il n'a pas compris qu'Alpha Condé, lui-même, il a tué notre nation. Parce que, écoutez, il y a eu combien de millions de tonnes exploitées, combien de millions de tonnes de bauxite exploitées. L'argent, on n'a pas vu. Ils ont chiffonné nos lois, ils ont chiffonné la constitution, ils ont marché sur nos cadavres, ils ont fait des lois. Ils ont dit que la Guinée avait besoin de changement de constitution. Après, ils ont mis l'assemblée en place. Après, bon, vous savez, mesdames et messieurs, c'était le mensonge. Mais mon papa, il ne pouvait pas comprendre cela. Donc, regardez, c'est très difficile, c'est très très difficile. Après, mon papa et ses amis se sont mis à nous dire que même les vendeuses de piment, les femmes vendeuses de piment, elles vont payer l'impôt, que cette année, ça va être dur. Mais Dieu merci, le colonel, il s'est sacrifié pour nous, comme Jésus à la croix. Donc, il a libéré le peuple, il a eu pitié. Partagez le live. Mon papa, tu dois comprendre cela. C'est parce que nous ne sommes pas honnêtes, ouais, envers nous-mêmes. Ouais. Nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de souffrir. Ouais. Qu'on le dit ou pas. Ouais. Nous souffrons au fond de nous. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont assis. Ouais. Ils ne peuvent pas parler. Ouais. Mais ils sont en train de souffrir intérieurement. Ouais. On dit parfois, toutes les malédictions ne sortent pas de la bouche. Ouais. Vous pouvez maudire quelqu'un. Ouais.
sans parler. Ouais. On ne souhaite pas que notre pays continue dans cette malédiction. Ouais. Il faut aujourd'hui que le CNRD ait pitié vraiment des personnes qui aiment Alpha Condé. Ouais. S'il doit être libéré, ce n'est pas la première fois que le professeur Alpha Condé se trouve dans cette situation. Wow. Il a été emprisonné 15 ans. On était là. Wow. Alors aujourd'hui, s'il doit être gardé en prison. Wow. Mon papa dit que ce n'est pas la première fois qu'Alpha Condé soit emprisonné. Vous comprenez quand je dis le 4P. PPP. Professeur, prisonnier, président, prisonnier. Mon papa, il a avoué. Et mon papa doit comprendre pourquoi à chaque fois cet homme-là part en prison. Pourquoi à chaque fois c'est Alpha Condé qui part en prison. Ou bien Alpha Condé, c'est la prison qui a épousé Alpha Condé. Ou bien c'est Alpha Condé qui a épousé la prison. Je ne comprends pas. Vous savez, la prison, c'est une femme. On dit la prison au féminin. C'est un nom féminin. C'est une femme. Certainement, Alpha Condé a épousé la prison, mais il a refusé de donner la dot. Et quand on épouse une femme, qu'on refuse de donner la dot, on a les moyens, mais par fini, la femme finit. La femme vous maudit, hein? Mais, et quand la femme vous maudit, partout où vous allez, vous serez maudit. Vous serez obligé de revenir vers la même femme pour dire, madame, s'il vous plaît, c'est votre dot. J'ai abusé de vous, mais c'est votre dot, ça. Parce que je vous ai marié, je vous ai pas donné la dot. N'oubliez pas la dot. Alpha Condé n'a pas donné la dot à la prison. Il n'a pas du tout donné la dot à la prison. C'est sa femme. Il faut qu'il donne la dot à la prison pour que la prison soit, c'est-à-dire la prison libère Alpha Condé une fois pour toutes, pour qu'il vit consciencieusement, tranquillement. Mais en tant qu'il ne donne pas la dot, et c'est pas bon, il faut donner la dot à la prison, monsieur Alpha Condé. Il faut donner, tu es allé une première fois. Une première fois d'abord, tu as été condamné en 70 par contumace à mort. La première fois, on voudrait ta tête. La deuxième fois, la prison a dit, je t'ai dit, ma dot, c'est tel prix. Tu as refusé de donner. Mais je vais te libérer. Parce que je vois dans ton destin, tu seras président en Guinée ici. Mais si tu donnes pas, billahi, tu vas revenir encore vers moi. Moi, je suis une femme qui est tenace, courageuse. Je suis une femme qui est tenace et courageuse. Si tu donnes pas ma dot, billahi, tu vas revenir. Même si tu fais 20 ans à la tête de l'État, tu vas revenir. C'est ce qui fut fait. Il est venu, la prison l'a libéré, il est venu, il a fait 10 ans, 11 ans à la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Il a eu tous les privilèges, il a eu toutes les fortunes du monde entier. 30 et quelques millions de dollars ou d'euros même, avec des bijoux à Sékou Touré. Il a refusé de tirer là le prix de la cola, la dot, les deux bœufs ou trois bœufs, aller donner à sa femme la prison. Aux parents de sa femme pour dire, tenez, j'ai donné la dot à votre enfant, maintenant elle peut me laisser tranquille. Il a refusé de faire, il a oublié. Il pensait que la prison devrait lui laisser tranquille, la prison l'a laissé tranquille. Mais non, la prison c'est une femme qui est tenace. Et qu'est-ce qui se passe? Paf, le 5 septembre, les parents de la prison sont venus. Ils ont dit, mon vieux, vous avez 80 et quelques. Depuis tout ce temps, vous avez épousé notre fille. Vous avez refusé de donner la dot. Alors, cette fois-ci, vous allez forcément donner la dot ou bien on vous dégage une fois pour toutes et vous allez vivre éternellement avec elle. Voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est pourquoi, aujourd'hui, Alpha Condé, il est éternellement l'épouse de la prison, l'épouse de cette femme, la tenace et courageuse. Ah non. C'est difficile. Mon papa, vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est de la spiritualité. Moi, je suis dans le spirit. Ouais, je suis dans le spirit, mon frère. Vous ne pouvez pas comprendre. La femme, c'est une prison qui est tenace. On ne la trahit pas comme ça. On ne la ment pas comme ça. On peut la tromper pendant un moment. On peut la tromper pendant certains temps. Mais on ne peut pas la tromper pendant tout le temps. La prison, c'est une femme courageuse et tenace. Elle est éveillée. Elle peut vous laisser tranquille pendant un moment. Mais si vous ne remettez pas sa dot à ses parents pour qu'elle te laisse tranquille, mais même si après 40 ans au pouvoir, elle va vous appeler. Voilà, c'est ce qui se passe.
Les parents de la prison sont venus, ils ont dégagé Alpha Condé. Et le voilà aujourd'hui encore, il retourne auprès de la même femme. Ah, mon vieux, il faut que vous compreniez, hein. Sinon, même de l'autre côté, là, ça pardonne pas. Hein? Ça pardonne pas. Dieu dit, il faut donner la dot de la femme. Et votre femme, votre véritable femme, c'est la prison. Parce que c'est mon papa qui a dit. Il dit, c'est pas la première fois que vous faites la prison. C'est votre femme. Donc, il faut chercher à donner la dot. Pour qu'on quitte ici, s'il vous plaît. Partagez le live. On doit être clair. Ouais. On doit nous dire vraiment. Il a commis ses exactions. Ouais. Il a fait ses crimes. Ouais. Alors, il est à la maison centrale. Ouais. Alors, automatiquement. Et puis, mon papa, il est courageux. Hein. Il va même dire le nom de la femme de son mentor. Il dit la maison centrale. La femme d'Alpha Condé s'appelle officiellement la maison centrale. C'est mon papa, le général El Sissi, qui dit, c'est pas moi. Il dit la maison centrale. C'est la femme d'Alpha Condé. Oui. Cette femme-là n'épouse pas tout le monde. Hein. Oui, n'épouse pas tout le monde. Vous voyez, les autres sont partis. Et puis elle est jalouse. Hein. Elle est jalouse. Les autres sont partis. Il dit non, je ne veux pas de vous. Les Ousmane Gawal, les Founiki Menge, les Chérif Bay dit non, je ne veux pas de vous. Ah non, je ne veux pas de vous. Moi, mon préféré, c'est Alpha Condé. Il m'a marié, il doit me donner ma dot, c'est Alpha Condé. Vous allez partir. J'ai appelé mes parents, ils sont venus le 5 septembre. Vous voyez-vous dehors là. Vous êtes sortis. Hein? Mon préféré, c'est Alpha, il doit revenir. C'est mon chéri Coco. C'est mon chéri. On a dit... Le mariage, c'est pour le pire et pour le bonheur. Donc, ça chauffe haut, on est là. C'est doux haut, on est là. On fait coup d'état haut, on est là. On vieillit haut, on est là. La bague là, il va donner. Je vais acheter ma robe de mariée. Ça, c'est obligé. C'est ça. Partagez le live. On va partir le voir. Mais là où on est aujourd'hui. Ouais. On nous dit chaque fois. Ouais. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce qui se passe dans ce pays. Ouais. Quand vous parlez, les gens vont dire que vous parlez mal. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on a envie de parler que nous sommes sur la toile. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on parle, parce qu'on nous paye. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ouais. Si on se bat aujourd'hui pour le professeur Alpha Condé, c'est par patriotisme. Au moment qu'il... Vous vous battez pour Alpha Condé par patriotisme. Quel patriotisme? Quelle patrie? Vous vous battez pour quelle patrie? À cause d'Alpha Condé. Quelqu'un est en palabre avec sa femme. Vous, vous parlez de patriotisme là-bas. Mais ça ne va pas dans vos têtes. Quelqu'un se bat, est en querelle avec sa femme pour une question de dot. Vous, vous parlez de patrie. Il n'y a pas à faire de patrie là-bas. S'il vous plaît, vous avez cotisé. Vous avez dit que les femmes guinéennes ont cotisé. Pourtant, la véritable femme qui demande dot, c'est la maison centrale. Elle s'appelle maison centrale. C'est le destin d'Alpha Condé. Elle s'appelle Maison Centrale. Les femmes qui ont cotisé là, pour le troisième mandat d'Alpha Condé, pour la caution là, vous avez mal fait. Billahi, vous avez mal fait. Vous devriez cotiser pour aller acheter la dot de la Maison Centrale. Pour que cette Maison Centrale, une fois pour toutes, laisse Alpha Condé tranquille. Mais au lieu de cela, vous avez cotisé pour la caution du troisième mandat. Voilà ce qui est là. Troisième mandat, la femme ne veut pas troisième mandat. La femme veut sa dot. Alors, vous achetez aujourd'hui la dot de la maison centrale, vous donnez à cette femme, vous allez voir si Alpha Condé sera libre ou pas. Moi, je vous dis la vérité, moi, je veux vous aider. Cotisez, vous les femmes qui souffrez là, pour votre Alpha Condé, là, vous qui souffrez là, cotisez, allez donner la dot de la maison centrale. Pour que enfin elle accepte. Et ça aussi, il faut qu'elle accepte. Hein, parce qu'il ne s'agit pas de donner la dette. Et vous devriez calculer. Depuis le mariage a été consommé, depuis ce jour, jusqu'au 5 septembre, c'est-à-dire le temps que Alpha Condé a fait sans donner la dot, vous devriez multiplier ça par deux et vous devriez donner à la maison centrale. Pour qu'elle accepte le divorce. Pour que votre Alpha Condé soit tranquille. Mais... Si la maison centrale n'accepte pas le divorce, ça sera très difficile pour le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que le colonel, c'est l'oncle téméraire de la maison centrale. L'oncle, c'est-à-dire l'oncle courageux et audacieux de la maison centrale. Lui, il n'a pas froid aux yeux. Hein.
Il dit, mais je m'en fous. Ce vieux-là, il a épousé ma tante. Ça fait combien d'années? Il refuse de donner la dette. Mais il faut que je change la donne. C'est pourquoi, le 5 septembre, il a pris ses jeunes frères. Il dit, bon, écoutez, on va dégager ce vieux-là pour que la tante soit tranquille. Franchement, parce qu'elle est malheureuse. C'est pourquoi la maison centrale, depuis qu'Alpha Condé est parti, la maison centrale est aujourd'hui un peu tranquille. Il y a un peu de paix là-bas. Mais elle demande sa dot. Donc, payez la dot. Ah, si vous ne payez pas la dot, ça va chauffer. Il avait le pouvoir, il avait tout. Ce qu'il n'a pas pu nous donner. C'est en ce moment qu'il est emprisonné, ouais, qu'il peut nous donner. Ouais. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'il a voyagé. Ouais. On nous fait croire qu'il est parti. Ouais. Il n'y a pas un membre de sa famille qui peut vous confirmer que le professeur Alpha Condé est parti. Ouais. Il n'y a pas un membre du gouvernement qui peut avoir le courage et l'audace de s'asseoir devant les médias, dire ça, c'est la situation du professeur Alpha Condé. Bon, je vais aider mon papa parce qu'on ne va pas finir. Mon père, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire la position d'Alpha Condé. Alpha Condé a changé de monde. Il a changé de monde. C'est ce que tu ne sais pas. Quand je dis il a changé de monde, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Hein. Non, Alpha Condé a changé de monde. Il n'est plus président de la République de Guinée. D'accord? Parce que il faut qu'il remette d'abord la dot. Mais jusqu'à ce qu'il remette la dot, il y est complètement interdit d'épouser une autre femme. C'est pourquoi, madame, avec tout le respect que j'ai, madame Jenet Kaba est venue, elle a fait le tout possible pour que ça aille, mais ça n'a pas marché. Parce que la femme maison centrale, elle est jalouse maladivement, quoi. Elle est gravement jalouse. C'est pourquoi, même Jenet Kaba ne peut pas vous donner l'information réelle sur Alpha Condé. Alpha Condé est sous l'emprise de sa femme, la maison centrale. Donc, mon père, il ne faut pas t'inquiéter. Il est là. Il est là, ok. Il a seulement changé de monde. Il a changé de monde. Il est quitté de Sékou Touré. Il est revenu tout près de sa femme. Donc, il est pour le moment calé jusqu'à ce qu'il trouve la dot. Parce que l'argent qui était là, les 30 et quelques millions avec des bijoux, ben, il a voulu manger tout seul. Et écoutez, aujourd'hui, il n'a plus rien. Et vous ne pouvez pas cotiser pour aller donner à la maison centrale. C'est ça le problème. Dès que vous trouvez la dot aujourd'hui, net, je vous jure, vous allez voir Alpha Condé. Trouvez la dot, contactez-moi. Et moi, je vais appeler mon frère. Parce que moi, je suis l'un des oncles de... l'un des petits-oncles, d'accord, de la maison centrale. Dès que vous trouvez la dot seulement, vous venez. Mais là, dès que vous trouvez la dot, l'argent qui équivaut à la dot, vous venez. On va statuer, on va vous dire exactement où se trouve Alpha Condé. Il ne faut même pas attaquer Ousmane Gawal pour dire Ousmane Gawal a dit qu'Alpha Condé a fait 20 pompes, qu'il devrait prendre la photo d'Alpha Condé. Non! Ousmane Gawal, en sortant de la maison centrale, quand la maison centrale a refoulé Ousmane Gawal, en allant, la maison centrale a dit à Ousmane Gawal, écoutez, jeune homme, tu seras ministre dans ce pays-là. Et puis, c'est toi qui seras le porte-parole du gouvernement. Et puis, dorénavant, je te charge. C'est toi qui vas te charger dorénavant de toutes les questions concernant mon mari. Donc, ne prends pas de photos. En tant qu'il ne remet pas la dette, contente-toi de dire que oui, il a fait 20 pompes, il est en forme. Mais ne prends pas de photos. Ne prends pas de photos. Ce sont les consignes que la vieille mère, là, la maison centrale, a donné à Ousmane Gawal. C'est pourquoi Ousmane Gawal, il dit seulement Alpha Condé, il va bien. Mais vous n'allez jamais voir la photo. Non, ce sont les consignes. Vous voulez que la maison frappe, cette femme, la tenace aussi, frappe Ousmane Gawal. Non, Ousmane Gawal ne connaît. Hey, il ne va pas composer avec la colère de cette femme-là. Donc, mesdames et messieurs, sachez tout simplement que mon papa, il est un peu perturbé. D'accord? Il ne faut pas l'en vouloir, s'il vous plaît, je vous en prie. Partagez le live, il ne faut pas l'en vouloir. Mon père, il est perturbé. Aller-retour, il est perturbé. Il parle d'Alpha Condé, il ne sait pas qu'Alpha Condé, c'est le passé maintenant. C'est le passé, ce temps-là est révolu. D'accord? Fofana Adam Condé, toi tu es hors sujet, mon frère. Tu es hors sujet. Tu parles de mon CV, moi je n'ai pas de CV. Moi, je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas étudié ni rien.
Moi, je suis un autodidacte. Mon CV, c'est autodidacte. J'ai lu seulement, lis, et puis j'ai appris le français comme ça dans la rue. Je n'ai pas été à l'école. Donc, on ne demande pas le CV de quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Tu vois? Donc, c'est perdre le temps. Mais ce qui m'étonne, c'est que moi, je n'ai pas de CV. Moi, je suis un autodidacte. Mais toi, monsieur Fofana, toi, tu viens écouter quelqu'un qui n'a pas de CV. Ah, dit. Voilà encore des petits-fils d'Alpha Condé. Ils ne comprennent absolument rien. Mais ils ne peuvent pas se déconnecter. Ils ne comprennent absolument rien. On te dit, monsieur Kanté n'a pas de CV. Monsieur Kanté n'a pas étudié. Il n'est pas sorti de l'université. Monsieur Kanté ne connaît absolument rien. Monsieur Kanté, tout ce qu'il sait, c'est parler. Et ça aussi, il a appris dans les livres. Et puis, tu viens demander le CV de monsieur Kanté. Tu es bête. On peut être bête comme ça, mon frère. Ah, monsieur Fofana. On peut être ignorant et bête comme ça, là. Ah, je ne savais pas que tu étais bête, mon frère. Allez, les amis, je vous laisse. Parce que ces gens, dans leur tête, c'est la boue à la place du cerveau. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est plus fort qu'eux. Alpha Condé, là, il les a abreuvés du mensonge. Ils ne peuvent pas comprendre, c'est difficile. Je vous aime, je vous honore. Mon père, Moussa Dezebou, Moussa Mara, El Sisi, il s'appelle désormais le maréchal. Donc, mon papa, calme-toi. Et bientôt, tu seras au courant de la destination d'Alpha Condé. Tout simplement, il a changé de monde. Il n'est plus à Sékou Touré. Il est aux côtés de sa femme, la maison centrale. Donc, il est en train actuellement en coulisses de chercher les dots. Il a demandé à Kassori Fofana. Kassori aussi a dit, monsieur le président, là, mes comptes sont gelés. Je ne peux pas me montrer. Il a appelé Mohamed Djané. Mohamed Djané n'a pas décroché le téléphone. Il a peur de décrocher le téléphone d'Alpha Condé. Il a appelé Thibou Camara. Thibou dit, papa Anaki Anareki. Sincèrement, moi, je ne peux pas m'amuser. Ouais. Et il a appelé son vieux, le président de l'Assemblée, Amadou Damaro Camara. Lui, quand même, il lui a donné un peu d'espoir. Il dit, bon, t'inquiète pas. Moi, je suis un bon Camara. Je vais essayer de voir certaines personnes et puis on va aller payer la dot de la maison centrale et puis rapidement tu seras libre. C'est effectivement cela, c'est ce qu'on attend. Donc je vous aime, mesdames et messieurs, je vous adore, vous partagez le live au maximum, à demain inchallah. Je crois que vous rigolez, mais vous rigolez de moi ou bien vous rigolez parce que je suis en train de vous faire rire. Prenez-moi au sérieux, hein. Je suis dans mon sérieux comme ça, prenez-moi au sérieux, sinon vous aurez des fouillères. À demain.